Alléluia. Amen. Yeshua. Amen. Alléluia. Boza wapi, tobi nye la zambe, boza wapi, boza wapi baluba, obina, boni nisa loketo. Amen. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Salut à nous tous, salut peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis partout là où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Dieu de nous retrouver encore aujourd'hui. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, nous allons écouter notre Dieu qui va nous parler. Il va nous parler. Il va nous communiquer. Il va nous instruire. Il va nous corriger. Il va nous orienter. Il va nous diriger. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Nous allons d'abord commencer à Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Je lis pour nous tous. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Parole du Seigneur. Nous allons encore lire dans le livre toujours d'Hébreux, chapitre 11. Chapitre 11, nous allons commencer à partir du verset 1. Je lis pour nous tous. Or, la foi est une ferme assurance qu'on espère, une démonstration celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ceux qu'on voit n'ont pas été faits de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
C'est par elle qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son événement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, alors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi qu'il vint s'établir de la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Alléluia. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni pour sa parole. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, merci pour cette opportunité. Merci pour cette opportunité de parler de ta part, oh mon Dieu. Merci pour ce thème que tu as déposé dans mon cœur, ô Seigneur de gloire. Ce thème que tu as déposé dans mon cœur, les secrets de la foi constante pour faire des exploits. Les secrets de la foi constante pour faire des exploits, avec toi. Seigneur, merci pour ce thème, ô Dieu. J'étais que ce thème, Seigneur, va fortifier quelqu'un, ô Dieu. Et va rendre agréable à quelqu'un, ô Dieu. Seigneur, merci beaucoup. Merci Saint-Esprit. Très cher Saint-Esprit, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Gloire à Dieu dans le ciel. Je disais que notre thème d'aujourd'hui, le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est les secrets de la foi constante pour faire des exploits avec Dieu. Les secrets de la foi constante pour faire des exploits avec Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Nous allons parler de la foi aujourd'hui. La foi audacieuse, la foi. Bien-aimés, la foi est un sujet traversé dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. On ne parle que de la foi. On ne parle que de la foi. L'Apocalypse qui nous parle de la conséquence de la foi. La conséquence de la foi. Pour ceux qui auront marché avec Dieu et qui ne se sont pas perdus dans les péchés. La foi. De Genèse à l'Apocalypse, nous voyons la foi. Nous voyons la foi. Hébreux 11 nous parle de la foi. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure là. Nous parle de la foi. Afin que nous comprenions que sans la foi, il n'y a rien. Sans la foi, on est nulle part avec notre Dieu. Avant toute chose, c'est la foi. Pendant toute chose, c'est la foi. Après toute chose, c'est la foi. La foi en abondance. La foi à tout moment, à toutes circonstances. La foi. Nous trouvons ça toujours dans le livre des Hébreux, chapitre 11. La foi. Hébreux, chapitre 11, nous définit la foi. Vivre par la foi. Réaliser par la foi. Elle permet beaucoup de choses. La foi permet beaucoup de choses. Si tu as la foi, tu feras des grandes choses, beaucoup de choses avec notre Dieu. Comme le chapitre 11, l'unique chapitre qui nous parle de la foi du début à la fin.
Hébreux 11. C'est l'unique chapitre de la Bible qui parle de la foi du début à la fin. La foi. La foi. La foi. La foi des choses. La foi. La foi fait des grandes choses. La foi fait des grandes choses. Elle permet de prévoir les dangers. La foi. Noé prévu. Noé était prévenu par Dieu. Il a construit une arche parce qu'il avait la foi. Il a construit l'arche. Il était considéré comme un fou. Les gens croyaient qu'il était fou. Or, il n'était pas fou. Il avait la foi. Il avait la foi. Il était considéré comme quelqu'un qui avait la folie, mais il savait qu'il avait Dieu et il avait la foi. Noé, il a construit l'arche pour sauver sa famille. La foi. Abraham a obéi à Dieu. Il a quitté. Il est parti par la foi. Par la foi. La foi, une démonstration. La foi. Nous devons toujours croire. Nous devons toujours croire. Continue à croire. Il faut toujours croire. Même quand on se moque de toi, toi, il faut croire. Continue toujours à croire. Quand on te rejette, continue toujours à croire. Parce que Dieu est là. Quand on t'abandonne, toi, tu dois continuer toujours à croire. À croire que Dieu est là et Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Parce que Dieu, c'est lui qui t'a parlé. Crois seulement. Noé a construit l'arche. Abraham a obéi à Dieu. Il a quitté la patrie. Il a obéi. C'est sur Hébreux chapitre 11, verset 8. Abraham a obéi à Dieu. Dieu peut te donner une promesse qu'il va toujours réaliser. Dieu peut te promettre. Il te donne une promesse qu'il va réaliser. Même après 10 ans, 20 ans, il va toujours réaliser. Ayant toujours la foi avec Dieu. La foi en abondance. Il peut te donner une promesse à travers sa parole. Dieu peut te donner une promesse à travers sa parole. Dieu peut te donner une promesse à travers la voix audible. Dieu peut te donner une promesse à travers une prophétie. Dieu aussi peut te donner encore une promesse à travers un songe. Il te promet. Parce qu'il est le Dieu qui réalise toujours quand il promet. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il promet, il réalise. La foi permet la persévérance. La foi permet même de bénir les autres. C'est par la foi que nous imposons les mains pour bénir les autres. C'est par la foi que nous obéissons à la parole de Dieu. Nous imposons les mains aux malades. C'est par la foi, parce que nous avons la foi. La foi. La foi qui agit, la foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais on espère. La foi, alléluia, gloire au Seigneur. L'homme n'est qu'un canal pour bénir les autres. Dieu utilise l'homme pour bénir. Parce qu'il y a même des gens qui manipulent, les gens qui manipulent les esprits faibles. La foi permet, bien aimé, de prendre des risques avec Dieu. Sans risque, on ne peut pas travailler avec Dieu. La foi permet de prendre des risques et de risquer sa vie. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que Pierre a marché sur les eaux. Pierre était poussé par la foi. Il a risqué. Il a marché sur les eaux. Il a risqué. C'est par la foi. Alléluia. Il faut toujours avoir la foi, bien-aimé. Kondima. Kondima na munene. Il faut toujours avoir la foi. Persévérons dans la foi. Pierre, il avait la foi. Il a pris le risque de marcher sur les eaux parce qu'il avait la foi. Même de tourner les murs de Jéricho. Tourner autour des murs de Jéricho, c'est par la foi. Les gens ont tourné autour des murs de Jéricho. C'était par la foi toujours. Ils savaient que Mira Jéricho, le but de Jéricho va tomber. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Toujours la foi, encore la foi. Dieu cherche la foi. Ce que le monde nous donne,
Ce n'est qu'une destruction. Ce n'est qu'une destruction, péché sur péché. C'est ce que le monde nous donne. Ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on peut gagner dans le mensonge? On ne gagne rien. On ne gagne rien. Dans les tripotages, on ne gagne rien. On ne gagne rien dans les mensonges, ni dans les tripotages. La foi nous pousse à dire non au plaisir de ce monde. C'est par la foi. C'est par la foi. Non à l'alcool. Non au péché. Non à la sorcellerie. Non à l'occultisme. C'est la foi. Nous savons que nous avons un Dieu qui est puissant, qui est grand. C'est par la foi. C'est toujours par la foi. Alléluia. Je crois à ce Dieu-là. Le Dieu-là qui dit, il faut que nous soyons saints. La sanctification, c'est toujours la foi. C'est la foi qui nous pousse à faire cela. C'est la foi qui pousse les chrétiens à triompher de la peur. C'est la foi. À supporter les difficultés par laquelle nous passons. À supporter des diverses épreuves. C'est la foi. S'accrocher à Dieu. Toujours, c'est la foi, toujours. Quelquefois, jusqu'au martyr. Comme Étienne. Étienne, il est mort martyr. Jacques, comme martyr aussi. Jean-Baptiste, alléluia, on lui a coupé la tête. Paul s'est retrouvé en prison. Pierre s'est retrouvé, on nous racontait qu'il avait la tête à bas et les pieds en l'air. La foi, la persévérance jusqu'au bout. La foi, c'est la persévérance jusqu'au bout. Nous devons toujours persévérer avec Dieu par la foi. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Dieu cherche la foi. Dieu a besoin de la foi. La foi, la foi et encore la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. La foi est l'alpha l'oméga de la vie chrétienne. Par la foi, on commence la vie chrétienne. Et on la finit toujours par la foi. Alléluia. Pour dire que nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. C'est au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Là, nous trouvons ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la foi. C'est par la foi. Le Saint-Esprit nous a convaincus que nous sommes. Le Saint-Esprit nous a convaincus que nous sommes des enfants de Dieu par la foi. Par la foi. Nous sommes nés de nouveau par la foi. Et nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est par la foi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le produire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui produit la foi, qui produit les miracles de la nouvelle naissance. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est pour cela, lorsqu'on a reçu quelque chose de Dieu, nous devons aussi les partager. Nous devons aussi les partager. Parler du Seigneur partout. Nous devons parler du Seigneur partout. Partout nous passons. Partout tu passes, parle du Seigneur. Confesse Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Parler de Jésus-Christ partout. 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 Même les démons de Dagara était libéré, il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est une assurance. La foi, c'est l'alpha et l'oméga de notre vie chrétienne. Parlons toujours de Jésus-Christ. Cherchez à créer la foi. Toujours créer la foi. Chez quelqu'un pour qu'il puisse recevoir sa délivrance. Il faut la foi. Pour recevoir sa délivrance, il faut la foi. Sa guérison, pour recevoir sa guérison, il faut la foi. Là, nous trouvons ça dans les livres de Luc, chapitre 8, verset 50. Luc, chapitre 8, verset 50. C'est par la foi. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit encore. Nous dit encore. Pour dire que la parole des hommes demeure la parole des hommes. Tant que Dieu n'a pas libéré un mot,
crois seulement en Dieu. Crois seulement en Dieu. Les hommes peuvent parler. Ils parlent de n'importe quoi. Mais quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, crois seulement en lui. Crois seulement en notre Dieu. C'est par la foi. La foi, sans la foi, on ne peut pas être agréable devant notre Dieu sans la foi. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Dieu agit. Il réalise beaucoup de choses par la foi. Par la foi à notre Dieu. La foi à notre Dieu. Ce que Dieu t'a donné comme promesse. Ce que Dieu t'a dit il y a 10 ans, 20 ans, il t'a promis, il finira par l'accomplir, par les réaliser. Car ces promesses ne pourrissent jamais. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Ça se réalise toujours. Attends-le toujours par la foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois de tout ton cœur. Crois Dieu de tout ton cœur. Tous les jours de ta vie, crois en Dieu de tout ton cœur. Crois, ne crains pas. Crois seulement. Nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu restes de la vie chrétienne. Ne marchons pas par la vie. La vie chrétienne. Nous ne marchons pas par la vie. Nous marchons par la foi. La foi. Kondima. Nous marchons par la foi. Kondima. Kondima mnene. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Errez ceux qui ont vu. Errez ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Là, c'est dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 29. Errez ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'importe. Je vois ou pas, je dois croire. Je dois croire. Ça me suffit. Ça me suffit seulement de croire. Je dois croire jusqu'à ma mort. Si je vois ou pas, je dois seulement croire. Je dois croire. Ça, c'est vraiment... Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu cherche les gens qui ont la foi. Même si on se moque de toi. Même si... les gens te critiquent, même si les gens parlent de toi. Laisse les gens se moquer de toi, te critiquer, raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. Toi, prie. Prie à Dieu. Parle à Dieu toujours. Confie-toi à Dieu. Aie la foi. Quand même on te dit que tu pries, le mariage ne vient pas. Tu pries et voilà, tu es toujours dans le chômage depuis 5 ans. Mais tu pries. Tu as terminé tes études aux États-Unis, au Canada. Mais tu ne trouves pas du travail. Prie seulement, crois seulement. Et Dieu fera des miracles. Dieu fera des grandes choses. Prie, crois seulement. Et voilà, tu pries depuis que tu as commencé à prier. Et voilà, tu pries. Tu es toujours dans le chômage. Tu es toujours dans des difficultés. Tout rien n'avance. Tout rien n'avance, c'est toi. Mais tu pries, crois seulement. Crois seulement. Et il y a des gens qui supportent même leur famille. Mais toi, tu es même incapable de supporter ta famille. Mais tu pries, crois seulement. Crois seulement. On peut même dire que ta prière ne sert à rien. Ta prière sert à quoi? Tu pries, mais il n'y a pas de changement. Toi, crois seulement. Crois à ce Dieu-là, il fera des grandes choses. Il fera des grandes choses. Que j'ai des maisons ou pas. Que j'ai des voitures, peu importe, je crois à mon Dieu. Que j'ai des grandes choses, peu importe, je crois à mon Dieu. Que j'ai des comptes en banque, peu importe, je crois à mon Dieu. Je sais que Jésus-Christ, il est le Dieu qui ne déçoit jamais. Et alors jamais, il est là pour nous. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Quand Dieu dit, ceux qui se confient à lui ne seront jamais déçus. C'est le Seigneur qui nous dit ça. Parce qu'il est le Dieu qui ne déçoit jamais. L'homme peut te décevoir. L'homme peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. L'homme peut se lasser à te faire du bien. Il peut être même fatigué à te faire du bien. Mais Dieu ne se fatigue pas à nous faire du bien. Il est là pour nous. Il nous fait toujours du bien. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu en croyant, en toutes circonstances, crois seulement, en toutes circonstances, dans ta vie, crois seulement,
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est vraiment possible. Vraiment possible. Et j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui me fortifie. Tu es obligé d'avoir la foi. Tu es vraiment obligé, mon frère, ma soeur, d'avoir la foi pour être agréable devant notre Dieu. Pour être toujours agréable devant le Seigneur. Il faut avoir la foi. La foi croissante. La foi qui va de l'avant. La foi qui ne recule pas. Mais la foi qui va de l'avant. Une foi qui ne recule jamais. Sinon, il est impossible de lui être agréable. La foi, l'assurance, c'est notre assurance. Il est celui qui nous donne tout ce que nous l'avons demandé. C'est par la foi. C'est par la foi. Si nous l'avons demandé, il nous a entendu et il va nous donner. Il va toujours nous donner. Il est là pour nous. Si nous croyons qu'il nous a entendu, croyons aussi que nous avons recevoir du bien. Nous allons recevoir ce qu'il nous a promis. Croyons toujours. Croyons. Et nous verrons que ça, des bonnes choses vont s'accomplir dans nos vies. En croyant, nous sommes agréables devant Dieu. En croyant, nous réalisons beaucoup de bonnes choses. C'est en croyant seulement. Croyons à notre Dieu. Notre Dieu est là. Il est là. Il aime la foi. Notre Dieu est avec nous. Nous devons toujours persévérer. Nous n'abandonnons pas. Il ne faut pas se décourager. Il faut pas perdre la foi. Depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a pas de solution. Non, il est là. Il est là. Il est là. Il fera. Il est là. Il fera. À son temps, il fait des bonnes choses. À son temps, il fait des grandes choses. Notre Dieu. Alléluia. 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 Nous croyons, croyez seulement. Croyons et nous la verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Nous avons un Dieu. Nous avons la foi dans nos voitures, dans la nourriture. Mais la foi en Dieu est obscure pour nous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut avoir la foi. C'est pour cela et toujours la foi. Et toujours la foi en Dieu. Dieu cherche la foi. Dieu se vêtit de la foi. Dieu se nourrit de la foi. Dieu se parfume de la foi. La foi. La foi. C'est ce qu'il cherche. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. Sans la foi, on est nul. On est zéro sans la foi. La foi. Parce qu'il est le chef de la foi. D'autres disent le chef de la foi. Le consommateur de la foi. Le consommateur de la foi, c'est-à-dire il consomme la foi. Dieu consomme la foi. Dieu consomme la foi. Jean-Baptiste a dit, il faut que je croie, il faut qu'il croisse pour que moi je puisse diminuer. Il faut qu'il croisse, il faut que notre Dieu croisse et que Jean-Baptiste diminue. Il avait la foi en disant cela, il avait la foi. Il avait la foi en disant cela. Jésus-Christ entre à toi, il faut avoir la foi. Jésus-Christ, quand il entre en toi, il faut le nourrir. Il faut le nourrir avec la foi. Bile Yanzambe, la foi. Jésus-Christ grandit en toi. Il grandit en toi petit à petit. Petit à petit, il grandit en toi. Fais-lui confiance, petit à petit. Il grandit en toi. Petit à petit, tu seras le reflet de la foi. Avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Croyez-moi, lorsque tu as fait un petit pas de foi, prochainement tu feras une grande pas de foi. La foi, c'est petit à petit, progressivement. Progressivement. On avance avec Dieu par la foi. On avance avec Dieu par la foi. Quand tu as vu ce que Dieu a fait pour toi, le passé, tu seras encore encouragé. Tu seras encore encouragé, avoir encore la foi pour qu'il fasse encore des grandes choses pour toi. Moi, j'ai déjà commencé à arriver à faire des grandes choses avec mon Dieu. J'ai la foi que je ferai des grandes choses avec mon Dieu. J'ai déjà commencé à rêver ça. J'ai déjà commencé avec Dieu, nous ferons des exploits, des grands exploits avec Dieu.
car c'est lui seul qui crase l'ennemi. Alléluia. Des grandes choses avec mon Dieu. Je rêve déjà des grandes choses. Je rêve déjà des grandes choses. Et je sais que ça va s'accomplir, ça va se réaliser avec Dieu, parce que j'ai la foi audacieuse. La foi audacieuse, la foi des risques. La foi de, il faut avoir la foi des risques, risquer avec Dieu pour être agréable devant Dieu. Mais pour arriver à des grandes choses, on commence par des petites choses. On commence d'abord par des petites choses. Dieu nous approuve toujours par des petites choses. Il nous approuve. Il nous approuve. Voir notre obéissance dans de petites choses. Si nous sommes obéissants vraiment dans des petites choses, il fera encore des grandes choses en nous. Notre Dieu nous amène à des petites choses. Or, des petites choses réalisent aussi des grandes choses. Si dans des petites choses, tu n'as pas pu tenir, là, vraiment pour avoir des grandes choses, ça sera aussi difficile pour toi. Parce que tu n'as pas pu tenir à des petites choses. La foi est grandissante. La foi doit grandir. La foi doit aller de l'avant. La foi doit se faire progressivement. Rejetez les fardeaux. Ne vous inquiétez de rien. Rejetons toujours des fardeaux. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 13, 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par Dieu, par la foi. En toute chose, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est là. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est toujours par la foi. La foi, c'est l'une des vertus qui est vraiment attaquée. Satan attaque vraiment la foi. Il sait que si tu as la foi, tu seras agréable devant Dieu. Alors, il combat la foi. Mais toi, il faut toujours avoir la foi, car c'est possible d'avoir la foi. Alléluia. L'ennemi, il a besoin toujours de détruire la foi. Il sait que lorsqu'il détruit la foi, vraiment, tu es disqualifié. Quand l'ennemi détruit ta foi, tu es disqualifié. Tu es disqualifié devant notre Dieu. Alors, il faut toujours avoir la foi. Tu es disqualifié totalement, totalement disqualifié. Alors, il faut toujours avoir la foi à notre Dieu. Maintenant, nous allons parler les secrets des clés d'une foi constante. Les secrets, les clés d'une foi constante. On parle de la foi. On a la foi aujourd'hui. Demain, on les perd. C'est anormal. C'est anormal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Demain, on perd. Ce n'est pas bon. Constance de la foi et croissance de la foi. Croissance de la foi pour faire des exploits avec Dieu. Il faut vraiment avoir une foi audacieuse. Il faut vraiment une foi qui grandisse, une foi constante pour faire des exploits avec notre Dieu. Car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Toujours la foi pour faire des exploits. Toujours la foi. Pas on est dans le Seigneur aujourd'hui et demain on n'est plus dans le Seigneur. On rentre au monde. On n'a pas la foi. Non. On n'a pas la foi. Quand les situations ne marchent pas, on rentre au monde. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas avoir la foi. Il faut toujours espérer en Dieu. Il faut toujours avoir la foi. Notre Dieu, il est là. 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 Il fera. Il fera des bonnes choses, des grandes choses avec la foi. La foi. La foi. La foi audacieuse. Alléluia. La foi qui peut. Alléluia. Qui peut faire même tomber les montagnes. La foi. La foi, notre Dieu. La foi. Puis encore, dans le Seigneur, on a une foi. On a une foi, une grande foi. Une grande foi. On ne peut pas avoir la foi qui n'est pas stable. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Demain, tu es ailleurs. Tu vas dans le monde. Tu vas chercher le plaisir du monde. Le plaisir de ce monde qui n'aboutit à rien.
Ça, tu n'es pas, ça vraiment, tu n'es pas stable. Ta foi n'est pas stable. Ta foi n'est pas stable. On ne peut pas être comme ça. On est avec le Seigneur, il faut être avec le Seigneur tout le temps. On est avec le Seigneur, on consulte les féticheurs, on va chez les sorciers, on va chez les marabouts, on consulte les horoscopes pour voir ma chance et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Une personne qui fait cela a une foi instable. A une foi, et sa foi vraiment n'est pas stable. Or, Dieu nous demande d'avoir une foi stable, une foi vraiment qui est grandissante, une foi constante, une foi audacieuse, la foi des risques. Que notre Dieu soit loué. Nous allons continuer prochainement, ce n'est pas encore fini, nous allons continuer prochainement, vraiment parce qu'on a beaucoup à faire. Que notre Dieu soit loué, soit béni. Prochainement, nous allons continuer avec notre thème, la foi constante. La foi constante, la foi constante. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Merci, merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que nous avons un programme, vous savez, vous tous, vous connaissez. Nous avons Réunion des Mamans. Réunion des Mamans qui sera, c'est bientôt là, dans une semaine, je crois, oui, dans une semaine, le 20 mars et le 21 mars. Vous connaissez déjà les thèmes. Vous connaissez des femmes violentes. Femmes violentes. Faisons des exploits avec Dieu. Femmes violentes. Faisons des exploits avec Dieu. Vraiment, en tout cas, partagez ça. Invitez les gens. Ça sera en live. J'ai déjà donné les programmes. Je crois que vous avez vu les programmes. J'ai déjà donné les heures. Tout. Ça y est là-bas. Vraiment, il ne faut pas manquer, il faut être là, inviter les gens, appeler les gens. Ba maman violente, bozangate, ba maman violente, la groupe, bozangate, vraiment bozala. Tokoloba mkulowana, ponabiso ba maman. Nous allons parler sans tabou, tokoloba nyonso. Nous allons vraiment parler. Merci vraiment pour les papas. Merci papa, na ba, si je suis nabino. Merci ma papa d'avoir remarqué que vous allez couper ça ngai pour na ba maman ndako. Merci vraiment en tout cas, c'est pour cela na sala ki na ngito sala réunion wana pour qu'on puisse parler de ça parce qu'il y a des papas qui se plaignent na ba caractère ba maman, les mamans impolies. Et ça ka ngai, donc elle ngai pas le souci tu vas bien. Pas le souci tu vas bien. Non, enfin na kozala bien. Kende. Tu ressembles à Peto Zonga. Kende. Kende nous cela au kota wana. Nous allons parler. Nous avons un rapport à papa Bébélé. Moi et Bébélé Pénzate. Nous avons un peu de se plaindre pour notre maman. C'est pour cela que nous avons une réunion. Moi, si nous avons un peu de temps, si nous avons un vie, moi, si nous avons un vie. Selon la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Zambé a s'inspiré à Kibiso Yango. Vraiment. Vraiment que notre Dieu soit loué. Tu es sûr que tu as tant que l'obé la nyons, on a des jours. Mais je sais que les battants sont un peu différents. En États-Unis, les battants sont en Afrique. C'est un peu différent. Sauf que tu as dit que tu as un peu de batokolala et que tu as un peu passé pour l'abisso. Mais tu as quand même. Nous allons parler. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Boutique dans ma question, tu répondrai après réunion des mamans de te répondre à ma question. Dans un deux ou trois questions, ah ouais, mais nous allons répondre ça après réunion des mamans de te répondre en go. Maman ni tambati, salam salam na yokuna. Salam salam na yokuna, ou la la pungite. Bo salam salam binonyonso, maman Ariette. Salam salam. Salam salam, maman Chantal. Salam salam. Salam salam ba mama violente. To salam salam zambi. To le baké ane otro. Tele mi bisounyo salam salam zambi. Que notre Dieu soit loué, soit béni. Merci, merci. Et qu'on a la sur Facebook live. Et qu'on banda kole kapé directement na YouTube. Donc, c'est la Facebook live. Et l'équipe directement na YouTube. Beaucoup l'amda roupé na YouTube.
et que vous avez mal à mon surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de soi YouTube. Nienza Wana Sylvie Chiranti, abonnez-vous. Beaucoup tapez la page. Bon aimez page, bon suivez page. Tous pour l'excellence des pages Nabisso. Vraiment. En tout cas, bon partagez ma vidéo. Partagez. Aimez, partagez. Et vous allez malam mink. Tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Pas plus que Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Que nous sommes comme ça. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Maman Kanjinga, Lili Saloketo. Fini la Zambé. Alléluia. Alléluia. Papa Ilunga, Lili Saloketo. Pasteur Ilunga, Lili Saloketo, la maman Bana. N'a dit que vous avez la nana. Alléluia. 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 Maman Benou. Nous dit ça. Alléluia. Frère Chibangu. Nous dit ça au fait. Bonne nuit, l'anglais de la frère. Elle dit que la frère n'est pas de l'aide, c'est ce que ma soeur. Bonne nuit, l'anglais de la frère. Nous avons besoin de faire pour nous faire une bosse. Dans le ciel.
Bon, continuez de soutenir nous salons dans ma prière. Vraiment, tu repères ça sous ton côté programme dans mon corps. Il y a ma prière intense dans la gêne. Tu peux communiquer caca comme d'habitude. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Nous avons la prière pour nous clôturer ce moment au moment favorable, le moment où tout le monde est bien. Plus en tout cas, parole aux élus que les kaboyo kakango pour mettre en pratique. Tant que vous allez connaître la parole, oyo et ça pour nous mettre en pratique. Tout est la foi, il faut que vous en continuez. Nous sommes en train de continuer. Nous sommes en risque, nous sommes en train de faire ça. C'est ce que Dieu nous veut. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier. Tant de Père Céleste, Père de gloire, éternel Dieu des armées. Seigneur, je te bénis pour cette parole, oh Dieu. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole que tu as mis dans mon cœur, que je vais de les partager à ton peuple, oh Dieu. Sois loué, sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Je sais qu'avec toi, nous ferons des espoirs quand tu as écrasé l'ennemi. Seigneur, tu es le Dieu qui nous communique la foi. Aide-nous à avoir une foi abondante. Une foi des risques, oh Dieu. Seigneur, soutiens-nous toujours. Nous avons les yeux fixés vers toi. Vers toi, les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Nous avons toujours besoin de toi. Nous avons toujours besoin de ta présence. Nous avons toujours besoin, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, tu es à côté de nous. L'ennemi aussi nous combat, oh Dieu, mais nous savons que nous combattons dans la victoire parce que toi, tu as vaincu. Jésus-Christ, tu as vaincu, nous vaincrons. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons pas peur. Tu es avec nous, comme la Bible nous dit. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta nourriture. Merci pour tes hauts faits. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur. Je manque des mots. Je manque des mots, oh mon Dieu. Je manque des mots. Gloire à ton nom. Sois loué, mon Dieu. Sois béni, Dieu de gloire. Sois glorifié au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen, 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 amen.